الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allah, on vient, je me faisais le souci sur le sujet sur lequel que je devais aborder aujourd'hui. Mais là, Allah s'occupe des choses. Alors j'ai eu deux surprises. J'ai eu des gens qui ont fait le dhikr d'Allah et j'ai eu un lecteur de Coran. Alors, si on ne fait que ça et on sort, on aura tout fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alam yani lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah » N'est-il pas venu le temps pour que les croyants « khashi'in an takhsha'a » qu'ils se prosternent, qu'ils se concentrent devant le dhikr d'Allah. أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما أنزل من الحق. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Il y a le dhikr d'Allah, après le dhikr d'Allah, qu'est-ce qu'il y a? Le Coran. Le dhikr et le Coran. Et ça tourne toujours autour d'un seul sujet. Pourquoi le dhikr et puis le Coran? إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Les croyants sont que si Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué, ذكر الله وجلت قلوبهم, leur cœur s'émouve de l'évocation d'Allah. وإذا تليت عليهم آياته, et si les versets du Coran sont récités, le dhikr et puis le Coran, toujours الذكر والقرآن. الذكر أولا qui prépare le terrain, et le Coran qui vient arroser un terrain préparé et défriché. Est-ce que ce qu'on vient de vivre ici maintenant, on a eu le dhikr d'Ikhwan, la ilaha illallah à la marocaine, que j'aime beaucoup, un peu de chauvinisme, ça ne ferait pas de mal, et du Coran avec la lecture de Warsh, toujours à la marocaine, donc je ne suis pas du tout dépaysé. Rien que ça suffirait pour notre rencontre. Mais on va parler de ça, Inch'Allah, sans parler du sujet. Sidi Cheikh, il a récité des versets qui montrent la gravité et l'importance du comportement qu'on doit avoir avec le maître. Et le premier maître, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le dhikr et puis le Coran? Le dhikr, c'est un travail du cœur. Le dhikr, c'est un travail du cœur. On peut faire le dhikr avec la langue, mais si le cœur ne suit pas, le dhikr n'est pas vraiment véridique. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. N'écoute pas et ne suis pas celui dont le cœur est dans l'oubli d'Allah. C'est qui fait le dhikr? La langue ou bien le cœur? C'est le cœur. Le but du dhikr, c'est le cœur. Le cœur doit faire le dhikr d'Allah. Mais si on fait le dhikr avec la langue, et si le shuyukh nous apprennent à faire du dhikr avec la langue, c'est pour emprunter le chemin inverse. Normalement, c'est le cœur qui fait dhikr et ça se répercute sur la langue. Ton dhikr est dans la présence d'Allah et ta langue prononce le nom d'Allah. Et quand Cheikh, tu vois que ton cas est désespéré, il te dit, on va faire le contraire. Vas-y avec ta langue, répète Allah, répète la ilaha illallah, à force de répéter, peut-être que le cœur va ressentir quelque chose. Mais ça, c'est un chemin inverse, et ça montre l'état lamentable dans lequel on est.
Mais le but principal du dhikr, c'est le cœur. Le dhikr, c'est préparer le cœur, c'est la lumière du cœur, c'est la foi dans le cœur. Et puis vient le Coran. Le Coran, c'est, on peut dire, c'est la législation générale qui régit tout, les actes du cœur, du corps. Donc, dhikrullah, c'est le travail du cœur. Le Coran, c'est la loi, al-shari'a, qui régit nos actes, quels que soient nos actes. C'est pour ça que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit toujours « Amanu wa amilu salihat ». Ils ont la foi et ils ont des bons actes. Il n'y a pas « Amanu » tout seul. Il n'y a pas « Amanu ». Toujours « Amanu wa amilu salihat ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une foi n'est vraiment une foi que se répercute sur les actes. Il n'y a pas de foi. Seulement la foi. Ce n'est pas suffisant. Pardon? Non, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de foi seule. Ça veut dire que l'islam n'est pas une affaire de cœur seulement et de spiritualité seulement. Je dis ça parce que j'ai fait le reproche aux frères tout à l'heure. Le titre qu'ils mettent, c'est spiritualité dans l'islam ou bien séminaire de spiritualité. En entendant ça, on a toujours l'impression qu'on va venir pour la spiritualité et puis pour rentrer dans des états et pouvoir. L'islam n'est pas que spiritualité. C'est iman, foi et acte. Foi et acte. Comme on a dit que le dhikr était cœur et langue, l'islam est les foi dans le cœur et acte avec les sens. Il n'y a pas de foi seule. La foi seule n'est pas suffisante. Il y a toujours l'acte. Et les actes, elles sont régies par quoi? Qui c'est qui nous montre qu'on est dans des bons actes ou des mauvais actes? C'est quoi? C'est Al-Qur'an. C'est Al-Qur'an. C'est Al-Qur'an qui nous montre. Je crois qu'on a commencé trop tôt. Pardonnez-moi, il faut que tout le monde soit installé, c'est mieux. Donc, l'islam est une religion complète qui englobe le cœur et le corps, la foi et les actes. Donc, quand on parle de spiritualité, une spiritualité n'est bonne que c'est les reflétés par les actes. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle tout le temps dans le Coran. Amanu wa amilu salihat. Est-ce que vous avez trouvé amanu tout seul dans le Coran? Il y a toujours amilu salihat. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous répète tout le temps
Il faut que la foi soit suivie de bons actes pour nous mettre en garde contre les égarements qu'ont eu les uns des autres religions. Le christianisme, il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup, énormément de spiritualité, mais il y a peu de choses et de lois qui régissent le comportement quotidien. Qu'est-ce qu'il dit là ? Ils disent que si tu as une bonne spiritualité, automatiquement tu vas avoir de bons actes. Soigne ta relation avec Allah et automatiquement avec cette relation, ça va se répercuter par les bons actes. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. On peut être dans une bonne spiritualité, mais on peut avoir des comportements égarés. Donc, qui c'est qui nous protège ? Al-Qur'an. Al-Dhikr ou Al-Qur'an. Al-Dhikr ou Al-Qur'an. Et le Qur'an, il vient avec plein de recommandations. Il nous montre les choses de toute la vie. Avec la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend sallallahu alayhi wa sallam comment entrer dans les toilettes. Tous les petits détails. Les juifs, ils disaient aux musulmans, votre prophète, il vous a tout appris. Vous avez tout appris, même comment faire vos selles. Pourquoi, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tout appris? Pourquoi tout appris dans le détail? Et n'a pas laissé notre spiritualité nous guider vers les bons actes. Pour avoir toujours un équilibre. Tu as une bonne spiritualité? Surveille tes actes avec sharia. Tu es dans la sharia? Surveille ta charia avec une bonne spiritualité. Tu dois avoir les deux. L'équilibre total. Tu t'intéresses à la spiritualité, c'est bien, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu t'intéresses aussi à la vie matérielle. Alors, sahaba, radiyallahu anhum, ils se sont posé ces questions. Ils étaient en réunion. Ils se sont dit, le premier, il a dit, regardez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a tout pardonné, tout, et c'est le meilleur de tous les êtres. Regardez comment il prie, regardez comment il jeûne, regardez comment il travaille. Nous, on doit faire beaucoup plus pour atteindre un petit peu. Le premier, il a dit, moi, je vais veiller toute la nuit, je vais prier toute la nuit, je ne vais pas dormir. Le deuxième, il a dit, moi, je vais jeûner tous les jours. Le troisième, il a dit, moi, je vais faire le jihad, je ne vais pas rentrer chez moi. Et chacun s'est proposé à faire quelque chose comme adoration spirituelle pour atteindre le degré de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait avec eux Sayyidina Salman al-Farisi. Sayyidina Salman al-Farisi, il leur a dit, moi, je dors et je prie, je jeûne et je mange. Et j'attends qu'Allah subhanahu wa ta'ala me récompense pour mon sommeil, comme il me récompense pour ma prière. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Allah, il va te récompenser pour ton sommeil. Tu dors. Ils sont allés chez Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, Salman, il dit comme ça. Il attend qu'il soit récompensé de la part d'Allah dans sa prière, comme il attend d'être récompensé pendant son sommeil. Alors, Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a tapé sur le dos de Sayyidina Salman. Il a dit, Salman est rassasié de science et de savoir. Comment ça rassasié de science et de savoir? Quelqu'un qui dit qu'on peut être récompensé pour son sommeil. Récompensé pour son sommeil comme pour une prière. Quand on dort pour notre nefs, pour se reposer. Quand on prie pour Allah. Comment Allah il peut nous récompenser pour notre sommeil que pour notre prière? Parce que l'islam... Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des ordres très précis pour chaque acte, pour faire nos actes conformément aux ordres de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que pendant chaque acte qu'on fait, on est sous la coupole et les ordres de qui? De Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je mange comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a dit. Donc, j'exécute l'ordre de Sayyidina Muhammad. Donc, je suis dans une adoration. Donc, c'est la même chose que si il me dit, tu pries. Il m'a dit, tu pries comme ça et tu manges comme ça. Si je prie comme il veut, je suis dans une adoration. Et si je mange comme il veut, je suis dans une adoration. Quelle est la différence? Vous voyez une différence?
n'y a pas de différence. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne si tu es sous la coupole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les deux cas, je suis sous sa coupole. Donc il n'y a pas de spiritualité comme ça, abstraite. Spiritualité, non. Il y a spiritualité, il y a le dhikr, il y a le Coran, il y a le gardien de notre spiritualité, c'est sharia. Et sharia, qu'est-ce que ça veut dire le mot sharia? C'est un mot qui est très travesti dans les médias, transgressé. Qu'est-ce que ça veut dire? Sharia, ça veut dire voix. Au Maroc, une voix, les gens du nord du Maroc, ils appellent une voix, une petite piste, sharia. Hein? Qu'est-ce que le sharia? Le chemin, une route, ça s'appelle sharia. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, je suis dans la sharia? Ça veut dire, je suis dans la voie. Là où Allah veut me voir, quand je mange et je dors et je prie, comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a appris, ça veut dire, je suis dans la sharia, ça veut dire, je suis dans la voie, je suis là où Sayyidina Muhammad veut me voir. C'est pour ça qu'on dit, ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le chemin droit pour qu'on soit dans cette voie, là où Allah veut qu'on soit, là où Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut qu'on soit. Donc, il y a la spiritualité. C'est vrai, on a la spiritualité, elle est très importante à travailler. Mais si on n'atteint pas un bon degré de spiritualité, est-ce qu'on ne fait pas les actes que nous a demandé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Hein? On doit avoir la spiritualité pour faire la prière. On doit l'avoir. Et si j'ai pas la bonne spiritualité, j'arrête la prière? J'arrête la prière en attendant d'avoir la spiritualité? Non. Si je ne sais pas comment me comporter et ma spiritualité, je n'ai pas assez de spiritualité pour résister aux insultes de mon frère. Mon frère qui m'insulte. Et j'ai envie de lui casser le visage. Et Sayyidina Muhammad me dit, retiens-toi. Et je n'ai pas cette spiritualité, je ne peux pas me retenir. J'ai le droit de frapper? Non, je n'ai pas le droit de frapper. Je dois exécuter sharia. Même si je n'ai pas la spiritualité qu'il faut pour m'empêcher de faire la chose. Donc, il y a ce qu'on a acquis et les actes qu'on a acquis par la spiritualité. Il y a les actes qu'on doit se forcer à faire pour être dans la sharia. Donc, il y a ce que tu acquiers avec la spiritualité. Il y a l'effort à faire pour être dans la sharia. Et l'effort que tu fais pour être dans la sharia, ça s'appelle al-jihad. C'est pas le Kalachnikov. Jihad, c'est le jihad contre soi et l'effort qu'on doit faire pour être dans cette voie. Jihad Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Ceux qui ont fait le jihad pour nous, on va les mettre dans nos voies. Donc, mon but, c'est d'être dans la voie. Et ça, toute la journée, je passe ma journée à dire Ihdina as-sirat al-mustaqim, Ihdina as-sirat al-mustaqim, Ihdina as-sirat al-mustaqim, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Combien de fois on le répète? Ça fait des centaines et des centaines. Est-ce qu'il nous a mis dans la voie? C'est quoi ce sirat mustaqim? Hein? Juste après Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate al-Baqara, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين. Donc pour être la voie, il faut se conformer à le kitab. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Donc, et ça c'est un problème et c'est une faute que commettent certains gens du tasawuf. Ils croient qu'on vient dans le tasawuf pour la spiritualité. Non. On ne vient pas que pour la spiritualité. On vient pour la spiritualité et on vient pour la sharia, la science. C'est pour ça que le tasawuf, le mutasawuf, le sheikh, il peut faire ce qu'il veut. Sayyidina l'imam al-Junayd, il dit, si vous voyez un sheikh voler dans le ciel, voler, il vole devant vous, et qu'il commet une faute aussi petite que ça, comme un cheveu dans la sharia, c'est un shaitan.
Sayyidina Abu Yazid al-Bastami, radiyallahu anhu, on lui a dit qu'il y avait un cheikh qui allait leur rendre visite dans leur village. Et les disciples de Sayyidina Abu Yazid, ils ont dit au cheikh, « Cheikh, laisse-nous aller voir ce cheikh qui va venir. » Il leur a dit, « Restez ici. Moi, je vais le voir. Moi, je vais le voir. Et je veux vous dire si vous pouvez le voir ou non. Je vais voir ce que c'est que ce cheikh. » Sayyidina Abu Yazid, il est allé chez lui. Il l'a trouvé en train de faire ses ablutions. Le cheikh qui arrivait au village, qu'est-ce qu'il faisait? Ses ablutions. Alors, cheikh lui a dit « Salam alaykoum ». Il a vu ses ablutions, il est revenu chez ses disciples et dit « Ce n'est pas un cheikh à voir ». Il dit « Pourquoi cheikh il faisait ses ablutions ?» Il a dit « Quand il faisait ses ablutions, il se lavait la bouche, il crachait sur la droite. » Quelle est la grosse faute qu'il a faite? Il crachait où? Sur sa droite. Donc, il ne connaît pas Sharia. S'il ne connaît pas Sharia, et ce n'est pas le gardien de Sharia, il n'est pas bon à voir. Même s'il a de la spiritualité. Même s'il fait des choses, des karamats, tout ça n'est pas important. L'important, est-ce que ça se répercute avec les actes qui sont conformes à notre Sharia? Conformes à notre Sharia. Regardez ce que Cheikh il vient de lire, le Coran. Qu'est-ce qu'il vient de lire? Vous savez ce qu'il vient de lire? Mais je ne sais pas si on peut mettre en pratique ce que tu viens de lire, Cheikh. Quand vous êtes avec le maître, quand vous êtes avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ne bougez pas et ne tournez pas les yeux et ne tournez pas le cœur et soyez avec lui. Et si des gens parmi ceux qui assistent à ton cours, ô Mohammed, veulent quitter la séance parce qu'ils ont affaire, ils doivent te demander l'autorisation. Et si quelqu'un te demande l'autorisation et que tu lui autorises à sortir, laisse-le sortir et demande-lui pardon d'Allah. Il a eu toute la politesse et tout l'égard qu'il faut. Demander l'autorisation. Et il a eu l'autorisation. Et il sort avec l'autorisation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout ça, Allah lui dit, demande-lui pardon. Astaghfirullah. Il a commis une faute. Comment il peut être en présence de quelqu'un qui lui enseigne et le guide vers Allah et qu'il laisse ça et qu'il va à ses affaires, même avec autorisation? Est-ce qu'il y a plus important que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et la séance de la science de Rasoul? Il n'y a pas plus important. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a descendu le verset de Sourate al-Jumu'ah, il y avait, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était dans le khutbat al-Jumu'ah. Et puis il y avait une caravane qui est arrivée. Et c'était dans la tradition arabe, quand la caravane arrivait avec la marchandise, les gens, les hommes, les femmes, les enfants, ils sortent avec, voir les nouvelles marchandises qui viennent d'arriver. Et ils étaient avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont entendu les caravanes qui arrivaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. In faddu wa tarakuka qa'ima. Ils sont partis, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est resté avec 12 hommes. Ou 13 hommes, je ne sais pas exactement. Alors, quand ils sont partis, ils sont revenus, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, s'ils étaient restés moins que 12 hommes dans ma leçon, dans ma khutbah de Jumu'ah, Allah aurait détruit la Mecque. Ils étaient avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est sharia. Ça, c'est sharia. Sharia du comportement avec le maître, le comportement avec la femme, le comportement avec les enfants, le comportement avec les collègues de travail, le comportement, tout ça c'est sharia. Ne croyez pas que la spiritualité, il se fait qu'en disant Allah, Allah, Allah. Il n'y a pas ça qui renforce, que ça qui renforce la spiritualité. Quand tu fais le dhikr, mes frères, tu dis que je mérite la récompense d'Allah. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dites-moi, répondez-moi. Quand tu fais dhikr, à la fin du dhikr, tu attends un petit cadeau. Pourquoi? Parce que j'ai fait dhikr, une séance de dhikr. Je mérite quelque chose. Tu attends quelque chose. Et quand tu es avec tes enfants,
et que tu leur parles ou bien tu joues avec eux, est-ce que tu attends une récompense d'Allah? Pourquoi tu ne l'attends pas? Allah donne, ne donne qu'aux gens qui font dhikr? Il donne à qui Allah? À qui il veut? Le don d'Allah n'est conditionné par aucun acte. Les dons d'Allah et la lumière d'Allah n'est conditionnée par aucun acte. Toi, tu peux faire dhikr. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Allah, salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abdul Abbas. Il était dans la mosquée en i'tikaf. Vous savez ce que l'i'tikaf, tu rentres dans la mosquée, c'est une khulwa. Et tu n'as pas le droit de quitter la mosquée. Tu fais le vœu de rester avec Allah et de ne pas sortir côtoyer les gens. Il était pendant l'i'tikaf. Et un homme est venu chez lui pendant l'i'tikaf. Il lui a dit, oh Sayyidina Ibn al-Abbas, j'ai une affaire et j'ai un problème. Il n'y a que toi qui peux m'aider à résoudre ce problème. Et Sayyidina Ibn al-Abbas, il est sorti de la mosquée et il allait rendre service à ce frère. Et quand il est rentré, il lui a dit, oh Sayyidina, tu étais en l'i'tikaf, pourquoi tu es sorti? Il a dit, j'ai entendu mon bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pour marcher, pour servir mon frère et rendre service à mon frère, est mieux que faire l'i'tikaf dans ma mosquée ici des mois et des mois. Rendre ce service vaut mieux, et tu as le mérite et le don d'Allah, plus que l'i'tikaf et plus que le dhikr. Ne rattachez pas le don d'Allah et les lumières d'Allah et l'ouverture et le fatah à notre dhikr. Notre dhikr, on mérite pour notre dhikr la pierre. On mérite le châtiment pour notre dhikr. Parce qu'on ment à Allah pendant notre dhikr. On lui dit qu'on va faire t'évoquer et être avec toi. Et avec qui on est quand on fait dhikr? Avec qui? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Donc, il ne faut pas voir de spiritualité et la spiritualité que dans le dhikr et dans l'adkar et dans l'amdah. Non. L'islam est une religion complète, totale. Quand tu apprends à ton frère comment il doit marcher, comment il doit se comporter, tu lui apprends la spiritualité. C'est de la spiritualité. Tu n'as pas... C'est vrai qu'il n'a pas la spiritualité qu'il faut pour faire l'acte, mais quand tu lui apprends, comme on a dit au début, soit tu fais le dhikr avec le cœur et ça se répercute sur la langue, et si tu n'as pas le dhikr dans le cœur, tu laisses le dhikr? Non, tu le fais avec la bouche en espérant que ça va être retenti dans le cœur. Donc tu fais les actes de sharia que tu apprends avec le savant de sharia et que tu te forces à les appliquer, et c'est ce qu'on appelle le jihad, forcer son âme à faire des actes qu'elle n'aime pas et qu'elle ne veut pas, et ça se répercute aussi sur la spiritualité. Notre religion est une religion complète. C'est pour ça que parmi les conditions d'un cheikh de tasawuf, il doit être savant de sharia. Il doit être connaisseur de sharia. Il peut avoir des états. Il y a eu quelques cas exceptions. Des exceptions où des chouyouchs étaient analphabètes. Mais est-ce qu'ils faisaient des choses contre la charia? Non. Il y avait un autre cheikh dans la généalogie de Tariq al-Naqshbandiya. Il y avait un cheikh qui s'appelle Mohamed Amin al-Kurdi al-Zamalkani. Il était analphabète. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'ouverture. Alors saint cheikh, il lui a dit, tu seras mon héritier, mais tu auras toujours à côté de toi cheikh Issa al-Kurdi, qui est un savant qui va te surveiller. C'est un savant, il connaît la science, il connaît sharia. Alors c'est lui, il sera toujours à côté de toi pour te surveiller. Alors qui c'est qui surveille la religion? Les chouyouchs du cœur ou bien les chouyouchs du savoir? Qui c'est qui surveille la religion? Al-Sharia. Al-Sharia. Le cheikh de Sharia, il connaît Sharia, même s'il n'a pas le cœur, c'est un surveillant. Tu peux avoir des états spirituels grands et faire des actes que les gens aiment,
voir et entendre. Et le cheikh, il peut s'asseoir avec toi, il te dit, toi mon frère, repends-toi de ce péché. Repends-toi de ce péché, alors que tu lui as rien dit. Il te dit, repends-toi. Cheikh, il voit dans ton intérieur. Il te dit, ne fais pas ça. Est-ce qu'il a le droit de te le dire? Est-ce qu'il a le droit de te le dire? Il n'a pas le droit de te le dire, même s'il le voit. Qui c'est qui l'en empêche? Sharia. Sharia, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu vois ton frère dans le péché, usturhu, couvre-le. Un homme est venu chez Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Rasulallah, j'ai vu tel en train de faire un péché. Il lui a dit, couvre-le avec tes vêtements, jette, déshabille-toi et couvre-le pour que les gens ne le voient pas. Pourquoi tu viens me le dire? Et nous, quand quelqu'un, un cheikh parle et te parle de ton fond, qu'est-ce qu'on dit? La ilaha illallah, ma sha Allah. Andul kashf, il voit dans ton cœur. Et alors? C'est quoi qui est le plus fort? Voir ce que tu as dans le cœur ou changer ce que tu as dans le cœur? Je vois ton défaut, oui, je le vois. Te le dire, ça ne sert à rien du tout. Mais je vais t'aider à t'en sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, Sharia, il nous dit, ne parlez pas, ne dites pas les défauts des frères, mais aidez-les à s'en sortir. Mais nous, on aime les chouyouks qui font le kashf. On les aime. On aime les karamates et les choses de la spiritualité qui montrent que cheikh, il y avait un cheikh dans une petite mosquée. Il avait quelques disciples. Et un de ses disciples est venu chez cheikh. Il a dit, mon cheikh, moi je te connais. Et j'ai la certitude, tu es un grand wali. Mais les gens ne te connaissent pas. Il a dit, mon fils, qu'est-ce que je veux faire? Il dit, fais une petite karama, un petit miracle. Pour que les gens te connaissent et connaissent ta valeur. Il a dit, mon fils, laisse-moi tranquille. Les karamates et les petits miracles que certains cheikh peuvent faire ne servent à rien. Il a dit, mon cheikh, s'il te plaît, aujourd'hui, demain, semaine après semaine, mois après mois, il a insisté. Alors, cheikh, pour faire plaisir à ce disciple, lui dit, d'accord, mon fils, je vais faire un petit truc pour toi. Alors, pendant la prière du Jumu'ah, cheikh, il était sur le minbar, il faisait son prêche du vendredi, puis il y a un oiseau qui est rentré. L'oiseau, il était sur, par exemple, l'armoire là-bas, et puis cheikh lui a dit, hé, l'oiseau, viens, mets-toi sur la tête de Hicham. L'oiseau, il est venu, il se met sur la tête de Hicham. Puis il dit, l'oiseau, va sur la tête de Salim. Il est allé sur la tête de Salim. Sors, il est sorti. Les gens, ils étaient comme ça. Masha Allah, Masha Allah, un grand wali, un grand wali. Et les gens, à la fin de la Jumu'ah, quand ils sont sortis de la mosquée, où est-ce qu'ils sont partis? Venez voir le cheikh, le grand cheikh. Le grand wali. Alors, le vendredi d'après, combien il y avait de monde dans la mosquée? Pourquoi ils viennent? Pour Allah? Alors, ils sont venus. Et la mosquée, elle était bondée, les rues étaient pleines de gens, et tout le monde attend quoi? De petits spectacles. Et Cheikh, il était sur le minbar, il faisait le khutbah. À un certain moment, excusez-moi, du gaz est sorti de lui. Il a un P devant tout le monde, en plein Jumu'ah, sur le minbar, Cheikh, il fait un P, hachakum. Alors Cheikh, il est descendu, il est allé refaire ses ablutions. Quand il est revenu, la mosquée était vide. Il n'y avait plus personne. C'est ça le cheikh? C'est ça le grand wali? Il fait un peu sur le minbar? Vous nous appelez pour ça? Cheikh, il est revenu. Il a refait ses ablutions. Il n'y avait plus personne que les gens d'habitude. Il a continué son prêche. Il a fait la prière. À la fin de la prière, le disciple est venu chez lui. Oh cheikh, qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? On a commencé, les gens sont venus. Comment ça que tu as fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Il dit, pourquoi tu fais un peu sur le... Les gens, ils sont partis. Cheikh lui a dit, mais alors, Sayyidina Omar radiallahu anhu lui est arrivé la même chose. Sur le minbar, il leur a dit, si je veux vous satisfaire, Allah va être insatisfait de moi. Si je veux faire... Alors si je continue ma khutbah sans ablution, qui c'est qui sera insatisfait? Allah, il les a laissés. Sayyidina Omar, c'est humain, c'est naturel. Et il est allé refaire les ablutions, il est revenu. Il a dit, mon fils, j'ai rien vu, c'est arrivé à Omar, pourquoi tu me le reproches? Il a dit, mon fils, écoute-moi. Les gens qui viennent pour un oiseau et qui repartent pour un pays ne valent pas le coup. C'est pas ça qui fait la grandeur. C'est pas la spiritualité et les états de la spiritualité. C'est la force que Dieu doit avoir pour t'aider à te sortir de ces mauvaises choses. Donc tout ça, on en parle pour parler de la spiritualité et ne pas... Parce que quand on entend spiritualité, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit tout de suite? Spiritualité. Ça veut dire paix intérieure, nirvana, bonheur. C'est pas ça. C'est pas la spiritualité. La bonne spiritualité, c'est être dans la charia. C'est pour ça que j'ai toujours dit à Sidi Salim, il faut toujours un savant de charia. Allah subhanahu wa ta'ala vous a envoyé, Cheikh Mondi, alhamdulillah. C'est le gardien. Le gardien, c'est celui qui connaît la charia et qui corrige les torts dans lesquels tombent les gens du tasawuf. Ne croyez pas que le tasawuf... Et le tasawuf qui entraîne une faute. Quand je parle de tasawuf, je parle en connaisseur de cause. Je suis dans le même cas que vous. Je parle de quelque chose que je connais puisque je la vis. On croit qu'on est dans la vérité absolue. On est le firqa najia. On est les gens qui seront sauvés. Parce qu'on connaît Cheikh et on connaît Dikr, et on connaît la spiritualité. Non. Donc, le danger pour tasawuf, c'est qui? C'est qui le danger pour tasawuf? C'est nous. Le danger pour tasawuf, c'est nous. Parce que nous, on a tendance et on a envie de montrer qu'on a quelque chose de grand et de bien et on se voit supérieur aux autres. Donc, la spiritualité, c'est quoi? C'est la charia. Les gens du tasawuf, ils disent que tasawuf, c'est la charia, la tariqa ou la haqiqa. Vous avez déjà entendu ces termes? C'est des cheikhs. Charia ou la tariqa ou la haqiqa. Charia, ça veut dire tu te forces à appliquer les préceptes de la charia, de la loi divine, mais tu le fais malgré toi. Tu veux retenir ta colère, mais tu es en colère à l'intérieur. Tu retiens ta colère, mais tu es toujours en colère à ton intérieur. Alors, Cheikh, il te dit, tiens, on va cheminer pour arriver à la vérité, c'est-à-dire que tu sois plus en colère, ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Tu sois dans le haqiqa, dans la vérité. Vraiment pas en colère. Parce que là, tu te retiens. Mais à l'intérieur, tu bouillonnes. Tu es en train de l'insulter l'autre, de souhaiter du mal à l'autre. Ça veut dire que tu es toujours en colère. Chemine. Et ce chemin s'appelle tariqa. Le chemin pour arriver à la vérité. Wal-kadimina al-ghaïd. Qu'est-ce que ça veut dire kadimina al-ghaïd? Celui qui retient sa colère. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les pieux et l'évolution des pieux. Il dit au début, Al-Kadimin al-Ghaïd, ceux qui retiennent leur colère. Il est en colère, mais il fait l'effort. Il veut arriver, il veut progresser, il retient sa colère. Wal-Kadimin al-Ghaïd, wal-Afina an-Nas. Ça, c'est une étape supérieure. Au début, je retenais ma colère, mais je souhaitais du mal à l'autre. Je l'insultais en mon intérieur. Donc, j'étais toujours en colère.
Puis Allah il dit wal'afina 'anan nas, ceux qui pardonnent aux autres. Tu me fais du mal, je te dis je te pardonne. J'ai évolué. Au début j'étais, maintenant j'ai évolué. 'Afina 'anan nas, je te pardonne. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Une autre étape. Tu viens, tu me fais du mal et moi je te fais du bien. Trois étapes dans l'évolution. C'est ça, tariqa.